Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan là depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan là. Bien nous pas perdre temps, n'a commencé. Cool yeah. Mais j'en ai constaté là, depuis aux environs de 6h du matin, nous avons enregistré des gars à la pluie à tomber et puis ravine dans descendre. Ce sont ces deux ravines qui descendent, qui rencontrent ensemble, qui bat nous tous des gars à perte humaine. Un paquet de cailles aller. Bon, nous avons dit dégâts ça a dépassé la mairie de Pétionville. Nous pensons que c'est l'État central qui a fait un bagage pour la zone. Parce que la zone est vraiment crasée là. Nous avons dit tout le business dans la zone là. Nous avons, après le recensement, nous avons recensé n'importe 100 combien de cailles. Nous avons dit que tout le monde là a perdu des marchandises, tout le bagage a allé. Normalement, son pet qui dépassait la population dans cette zone-là. Et ça fait que nous disons que c'est l'État central direct qui a répondu avec ça qui fait là dans la zone-là. Combien de morts nous avons enregistrés? Bon, dans ça, nous joignons. Nous joignons deux morts, deux filles. Dans ça, nous avons beaucoup fin de combler pour nous voir combien de monde. Mais devant, je ne pas moi-même qui parle de là. Il y a plusieurs personnes qui allaient, ça a vraiment fait triste pour cette zone-là. Est-ce que c'est Kai qui t'a tombé sur ou bien de l'eau qui t'a voté ou aller? C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Pas de Kai qui vraiment tombé sur nous, nous retiré en bas de l'Olandi, mais pas de Kai vraiment qui effondré ensemble avec nous. Mais après ça, nous avons aussi de l'eau qui passe pour nous. Et puis l'autre monde, deux personnes nous jouent, c'est en Dakar nous prenons, nous mettons au dehors. Automatiquement, la pluie a commencé à tomber, l'incident s'est produit. Mais nous avons fait une intervention déjà sur la question de galette, qui n'a pas de construction anarchique. Nous avons constaté là que la zone nous connaît, montée tout en l'état de l'eau, virée, jalousie, c'est mon hôpital. Nous connaissons qui ça a été, depuis que mon hôpital, tout le monde capte de connaître, c'est des zones qui ont été dédiées pour ne pas construire. Mais je dis, nous avons toutes les zones qui ont été construites. Et nous n'avons pas construit avec aucune norme, aucun rien. Quand il y a depuis la pluie tombée, l'eau a bagué l'autre bagage pour le faire. C'est les gens qui ont un paquet de sinistres que lui mettent. C'est inonder la population, inonder. L'eau entre les gens, comme si vous mettez la population qui est plus vulnérable dans plus de misère. Mais avec le conseil qui est en place, nous-mêmes qui comprenons la nécessité qui sortit de votre population, nous avons un autre bagage que nous avons fait. Nous avons un magistrat qui a délégué toute équipe de voir la protection civile pour porter secours à la population pour nous capables de qui façon nous capables de limiter les dégâts que le cyclone est capable de causer dans la commune. À chaque fois, il y a un type d'événement, ça aussi sensibilisation, surtout pour les gens qui ont qui n'en caille qui plus à risque, pour commencer à serrer papier qui est important, tout ça. Et comme la presse, c'est un moyen qu'on capable de sensibiliser la population en plus. Et j'en fais nous faveur pour nous micro journée aujourd'hui. Dans nos conseils municipaux, on a profité pour nous dire toute population pétionvilloise pour protéger la tête pendant le conseil. Ou les gens qui étaient dans la galette, pour serrer les papiers, les gens qui étaient dans la zone qui pire à risque, pour quitter en façon pour nous capables de jouer moins de victimes dans la communauté.
Évolution passage de la tropicale Laura dans le pays. Je viens, nous avons avec nous mon appareil président qui vient visiter tout le côté nous héberger tous deux frères dans Toxel. Le président vient après, il vient passer plusieurs côtés, il vient regarder des gars qui pêchent. Et déjà, malheureusement, il a évolué. Mais nous avons une équipe qui s'est présente. Dans le gouvernement depuis matin, dans le coup de la pour nous recevoir, le président de la République a fait une visite de travail qui a fait comment nous opérationnaliser la réponse qu'a fait à des gars qui commencent à faire pour le passage de la fête tropicale Laura. Monsieur le président, bonsoir, nous avons plaisir pour nous recevoir, nous-mêmes dans le gouvernement qui est là depuis matin et qui a travaillé avec le directeur pour le procédé. Merci. Vous m'avez bien, excellence, pour le pouvoir accompagner avec Madame Mou, qui est la première là. Excusez-moi. Merci, M. le secrétaire d'État. C'est un plaisir pour nous, pour moi, là, dans Koumna, de garder, étendre avec Zoré, garder à Zoré,
nous sommes font tout dans la rue à moins que tempête tropicale Laura je ne te connais qui sous pays a depuis la nuit là. Nous sommes gardés à yeux pas moins ouais que la pluie a dans pile côté dans pile dégâts qu'elle fait. Moi déplore premièrement perte de vie humaine que nous avons. Nous avons deux mondes qui portaient disparu jusqu'à présent dans Port-au-Prince. Nous avons cinq mondes qui mourent dans Port-au-Prince. Nous avons parlé de deux mondes dans Pélérin, un monde dans zone Boitienne, un monde Girado et un monde dans Bicentenaire. Moi, je vous sympathie, moi, par toute famille, mon zaro. Et nous connaissons quatre morts dans le département sud-est. Ça veut dire, c'est pour jouer. Nous avons gagné 11 compatriotes, nous. Frères, nous, soeurs, nous, qui parlent là, qui étaient là hier, je vous dis, qui parlent avec nous. Ça veut dire, c'est pour nous comprendre que famille, mon zaro, qui attendait, qui gardait là, moi, qui connais douleur, nous. Moi, qui connais comment ça, fait nous mal. Même à dire, chaque grand haïtien qui a regardé, qui a entendu là, que j'ai fait cyclone, pas une jouette là-dedans. C'est ça qui fait, depuis le 1er juin dérivé, nous pas jamais suspendre à travers protection civile, communiquer avec la population. Pour nous faire connaître, que du 1er juin jusqu'au 30 novembre, c'est période cyclone. Ça veut dire qu'il y a un jouet dans la période ça. Et pendant que nous parlons là, il ne faut pas oublier nous en dedans en pandémie que le coronavirus. Ça veut dire nous ne pouvons même quitter le corona et nous dans une situation côté n'a déploré le monde qui est mort. C'est pour me dire que nous avons passé des moments difficiles dans le pays. Des moments extrêmement difficiles. C'est pour ça que nous avons dit hier, dans le passage que nous avons fait dans la commune Cité Soleil, commune Croix des Bouquets, commune Gantier, dans l'inauguration de trois systèmes du pompage solaire que nous avons fait. Nous avons dit que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de sérénité. Nous avons besoin de coude à coude, tête ensemble entre Haïtiens. Pour nous faire comment, pour nous faire, pour nous surmonter les difficultés et faire face à problèmes que le pays a connu. Je dis, cyclone Laura, d'après l'information que nous avons gagnée, lui pratiquement à la direction vers nord-ouest. Ça veut dire, lui prend à soir, aux environs de 10-11 heures du soir. T'as censé quitter le pays parce que la marche est très vite, la marche à 30 km/h. Il doit aller dans une zone Mol Saint-Nicolas pour quitter nous pour le pays à dos. Mais faut pas oublier. Le cyclone n'a allé le pays à dos, c'est pas ça qui dit pas qu'il y a la pluie. Ça veut dire monde qui est près rivière. Monde qui connaît traverser rivière yo. Moi connais que parfois nous y a des obligations. Mais prends précaution, nous, parce que dans la traversée rivière, nous avons droit à faire famille par nous crier, nous-mêmes nous avons perdu la vie. L'important, nous avons vivre dans la Tibonite, pour nous faire parler avec nous, surtout nous avons vivre dans la Grange à Grande Saline. Moi, j'entends en pile causer parler. Même si je parle avec Gou, savez, dans un fait barrage et des glands. Fleuve à Tibonite, qui sont fleuves là, les sous-bridini, le vrai, les comptes portaient plus passé 500 mètres cubes de seconde à l'an la mer. Mais je dis, nous ne pouvons pas arriver à un niveau ça. Mais ça n'a pas empêché que technicien Peligio, technicien EDHU qui Peligio, est obligé de lâcher de l'eau matin aux environs de 7 heures du matin. D'après ça, mieux comme information, et il n'y a pas de lâcher. 3, c'est 60 mètres cubes par seconde qui ont été lâchés. Et l'eau est pour arriver dans la zone canot dans 12 heures de temps, ça veut dire vers 7 heures du soir à soir. Et l'information que nous avons, barrage canot, nous connaissons deux canaux qui pratiquement servent d'exutoire pour barrage à plus fleuve là.
canal ça yo yon kabou de 10 mètres cubes yo a travaillé avec yo et yo travaille avec rivière là tout pour capable évacuer de l'eau non proportion qui pour pas faire trop de dégâts en aval. Mais faut ne pas oublier l'eau fin qui était barrage Pélig ou après aller vers Mimbalet. Il y a deux rivières que barrage a pas contrôlé. L'une c'est Fer à Cheval, l'autre là c'est rivière La Tène. Et c'est deux gros rivières mon dans la Tibonite. L'eau en cru, yo porté en pile de l'eau dans le fleuve là. L'important pour nous comme ça, nous même qui vivons en aval par rapport à barrage Cano, ça veut dire en bas barrage Cano, il y a en pile précaution pour nous prendre. Précaution tant coup paré près berge, ça veut dire bon rivière, bon rivage. Si nous retenons zone qui qu'on inonde, déplacer et me connaît direction protection civile y a travers tout pays ya. Ça veut dire toute mairie yo, tout bureau kazek yo gen représentant protection civile kap la yo même pour yo ban nous conseil pour dire nous qui comportement pour nous gagner, parce que ça qui est plus important pour nous aujourd'hui hein, c'est pour nous pas gagner on l'autre cas d'avant plus, c'est ce qui est plus important pour nous. Aidez-nous ou même qui était pour rivière cap garder m'cap tandem là pour nous pas cap passer cap ça fort ou cap protéger tête ou pour cap aider nous même autorité ou cap protéger ou même les annoncer moun qui était dans zone aval par rapport l'aime dire aval en bas barrage Cano, ça veut dire moun cap vivre dans ponson de moun cap vivre dans zone sali flodoué, sali flodoué nous connait bien salier, c'est lui même qui sont exutoires qui là pour le fleuve la potent pile l'eau qui pour évacuer le fleuve à Tibonite là. Moi veux annoncer nous que équipement nous sont j'ai me dit que m'acheter ça a 2 ans et demi. Nous songez ça. Comme pas dit 3 ans parce que moi t'ai fait annonce ça yo dans vallée la Tibonite dans mois juin 2017. Équipement ça au mois 2020. Yo t'ai prend temps pour construire. C'est des équipements amphibies, ça veut dire que c'est des excavateurs qui arrêtent dans de l'eau même. Yon dans la Tibonite, qu'on y a. Moi, ma instruction, moi, le ministre de l'Agriculture qui l'a lié au courant de l'amphibie, moi, je crois que faut que vous commencez à monter à partir de semaine, j'ai un ministre. Et faut nous commencer à mettre, nous parler de 3 équipements comme ça, qui ont fouillé jusqu'à 12 mètres. Et qui a chita jusqu'à 4 mètres de profondeur dans l'eau. Ça veut dire que nous ne pouvons pas le curer Sali Flodoué, nous ne pouvons pas le curer fleuve à Tibonite, dans la partie qui est en aval, ça veut dire l'eau prend dans la zone Lagrange, aller jusqu'à Embouchure. Nous ne pouvons pas le curer tout, rivière Lester qui sont l'autre exutoire que vallée à Tibonite. Ça, c'est le système de drainage vallée. C'est un problème cité. Et même au moment arrivé, équipement arrivé, mais pas oublié. Gros en pile, c'est des tracteurs qui sont très hauts. Ils ont venu dans plusieurs conteneurs. Mais j'ai information que tout conteneur dans la Tibonite déjà, ils n'ont pas commencé à monter. Ma instruction pour commencer à monter semaine, ça, je dis en lundi, et dimanche, ils ont commencé à monter pour d'ici fin semaine, pour commencer à gagner, parce que le ministre, tout le monde va aller dans le premier coup de pelle. Vendredi prochain, s'il le faut. Parce que nous connaissons, nous ne sommes pas rien. Et Mounio, c'est pour ça qu'ils ont voté nous. C'est pour nous travailler pour nous. Moun dans la Grange, Moun Lester, Moun dans la vallée, la Tibonite en général, vous pouvez avoir une satisfaction par rapport à curage ça, qui pourra le faire dans Sali Flodoué avec notre fleuve à Tibonite. Maintenant, de l'État, Premier ministre qui est là, qui est chef et gouvernement, m'a demandé, je nous commence à pas camper. Ça veut dire, directeur départemental police l'Ouest, tout commissariat, yo, direction protection civile, directeur général police, là, responsable DCPA, secrétaire d'État sécurité publique, là, ministre intérieur, ministre travaux publics, ministre défense, ministre agriculture, tout le monde à pied d'œuvre.
pour tout côté que le peuple a obtenu service nous, il faut des pieds à soir, nous mettons nous à pied d'œuvre pour nous rejoindre. Nous n'en sapit, nous connaissons, nous partageons la douleur. Nous. C'est pour ça que je demande pour que depuis à soir, il y ait des secours qui arrivent sous Jacques Mel, même Gadi, sous Marigot, même parce que la route là, le ministre de la République, nous sommes connus pour sortir Jacques Mel pour Marigot, route là correct. Ça veut dire support ça, qu'a sorti Port-au-Prince pour arriver, ou bien sortir Jacques Mel, pour arriver Marigot, et pour en fait, l'on met automatiquement que protection civile baille feu vert là, que yo ka pran en main pour arriver plus vite, joindre moun en sapit. Parce que nous connaissons route la difficile, et nous disons nous pas le passer par Fort Parisien pour nous tomber Fort Verret, pour tomber. Et en fait, forêt des peintures pour tomber banane, pour tomber sapit, route là, les longues en pile. Ce n'est pas dit nous, dit nous pas prendre route, non. Route là, non. Mais en fait, moyen qui est plus facile pour nous arriver, n'a pas utilisé pour nous capables arriver, joindre nous. Parce que les gens qui vivent en sapit, c'est haïtien même avec nous, nous y est, et nous fait partie de 27 750 km² pays. Tout le monde dans le département sud-est, quel que soit côté n'a vivre dans le sud-est, que nous Côte de Fer, que nous Grand Gosier, que nous Bellance, que nous vivre dans Mapou, dans Coq-Champ, quel que soit côté n'a vivre dans Banane, dans Tioc, Benel, la vallée de Jamel, quel que soit côté nous y a, si y a un nous qui victime de cyclone, de tempête tropicale, l'aura qui s'est passé, fait autorité qui puis pour nous en connaît. Ça veut dire qu'Azek, Azek, délégué ville, magistrat, vice-délégué, délégué, commissariat police, sous-commissariat, tout côté l'État représenté dans la commune, fait au connaît parce que nous-mêmes, c'est pour ça nous là pour nous servir. C'est pour ça qu'on mettait nos dirigeants, on mettait nos dirigeants, c'est pour nous servir. Et pour nous servir, dans le bon temps, pour nous servir dans le mauvais temps. Je dis à vous, c'est dans un mauvais temps. Nous, avec vous, nous comptons ferme avant. Nous, dans le département ouest, nous, dans le département sud-est, côté qui vient dans le mort, nous comptons avec nous. Nous comptons ferme avec nous. Et nous connaissons l'État, la travail pour rendre tout le département connecté. Yon a clot, parce que nous connaissons des prendre nouvelles. Il y a un problème grecier. Le ministre de la République dit il y a pied d'œuvre. Il y a un problème tigouave. Il y a un problème dans la route nord, c'est ça. Ça veut dire tout. Si vous avez un problème, travail à fait pour que tout côté nous y est. C'est pour ça que l'homme te dit nous, équipement acheté pour équiper tout pays, a, équipement ça, yo, c'est pour ça yo là, pour servir nous. Je dis au ministère de la République, il y a pied d'œuvre dans 10 départements pays. Nous connaissons un problème dans la zone abricot. Nous prenons nouvelle. Équipement qui est à pied d'œuvre, direction départementale, travaux publics, gradance, à pied d'œuvre, pour ben nous satisfaction, parce que c'est pour ça que nous mettons autorité pour diriger nous, c'est pour servir nous. Vraiment, de nous, qui est calme nous, qui est tête forte là, nous toujours dit nous, collaborer avec l'autorité, avec la police, collaborer avec la protection civile, avec la mairie, avec toute l'autre entité dans l'État, qui l'a pour porter coup mais pas yo. Moi mandé premier ministre pour l'instruire ministre affaires sociales là pour faire mettre la pied d'œuvre. Moun sa yo qui jodi an ki sinistré faut gagner ti ki choy qui rive joindre yo. Faut faire à pied d'œuvre pour que tout moun sa yo l'état gantan renivé sou yo. Moi mandé nous encore prendre précaution nous. La pluie a pas qu'au passé, mauvais temps pas qu'au passé. Jeudi, nous 23 août, qu'on est nous là jusqu'au 30 novembre. C'est mettre quoi veiller quoi, veiller et pas oublier que nous avons un moment spécial, nous avons fait coronavirus pour nous pas oublier ça tout, protéger tête nous, protéger mon niveau côté nous. Merci un peu. Merci secrétaire d'État, bonjour tout le monde, bonjour la presse. Jeudi, malheureusement, aujourd'hui dimanche, nous sommes obligés là pour nous parler de tempête tropicale Laura. Qui a traversé le pays à Kounia, après le film fait des gars dans l'autre pays. Malheureusement, nous avons perdu 5 personnes,
Et dans le cas ça, le président de la République a mis à gouvernement, il a présenté sympathie, la grosse condoléance par la famille Mounsayo. Et nous regrettons que Mounsayo soit mort. UHM li bay en pile information déjà. Et tout profiter de nous que ni Koun, ni Koud, ni Kouk, ils ont tout activé sur tout territoire république. La La pluie a continué à tomber. Et même la tempête la fin passée, le fait que terre est en grand pile, l'eau déjà, c'est ça où elle était saturée, a continué à gagner inondation avec déboulement terre, plus roche qui a sorti et pour tomber, pour faire des dégâts. Dans le département de Grand-Dans, dans le département de l'Ouest avec la Tibonite, et plus l'autre département qui est capable de victime encore. Il y a un pile d'eau qui a tombé. Il prévoit presque 300 mm la pluie, ça veut dire un pile d'eau. Route nationale numéro 2A, dans le niveau de Tigouave, est coupée. Mais TPTC déjà sous place, là, travaille pour débloquer la route. Là. Tout comme nous avons tout dans la zone Tibureau, il y a un problème dans la zone, mais la direction départementale en bas, là, travaille pour résoudre le problème. Dans la tête de l'eau, dans le pèlerin, il y a un pile problème, mais le ministère des Travaux publics, sous place, Kounia, a déblayé un pile barrière qui était bloquée, une route qui était coupée en haut à tout, il y a réhabilité. Par contre, il faut toujours continuer à prendre précaution parce qu'il y a un pile de l'eau qui a coulé toujours. Nous enregistrons un pile d'inondation dans la zone en sapitre. Il y a une rivière Pédernal qui descend. Rivière sauvage, en pile, il est débordé. Il faut que nous continuions à prendre en pile précaution et nous présenter ces parties nous tous par Mountabar. Parce que nous connaissons depuis de l'eau sorte fin fait des dégâts en Haut-Pétionville, en Haut-Kinskop. Tabar avec Cité Soleil, pas épargné. Moi, j'ai une information sur Cité Soleil et nous prenons jeune dans le niveau gouvernement pour nous aller au secours de tout le monde qui est en bas, mais nous demandons des mounions pour prendre en pile précaution. Le ministère des Travaux publics encore, li, ça le fait, bassin nous connaît, côté central Péliglaïa, li rempli net, li même tape débordé. Ils ont ouvert deux portes pour de l'eau à descendre et il y a une pile disposition qui prend sur toute vallée la Tibonite là, pour empêcher que des mounions mourir et des mounions inondés. C'est-à-dire tout l'État mobilisé pour nous faire une gestion rationnelle de tempête tropicale ça pour nous pas gagner trop de dégâts dans le pays. Direction protection civile tout li activé centre d'opération d'urgence nationale et départementale. Tout le monde sait, j'aime dire nous, nous sommes dit nous déjà, il y a travail simultanément. Gagné service maritime et de navigation d'Haïti, qui est le SEMANA. Les deux conseils avec UHM, les déconseillés, tout le monde prend leur main qu'on y est. Sauf que nous tendons conseils aux autorités pour nous connaître qui comportement pour nous gagner, parce que nous ne pas voulons déplorer plus de cadavres, plus de dégâts que le cyclone n'a en fait déjà. 5 personnes mourir déjà, c'est déjà trop. Cellule gouvernementale là, l'y activer en permanence et c'est lui-même qui a continué ban toute information que nous devons gagner, qu'on méfie nous de l'autre information qui a sorti l'autre côté. Tant de autorités, tant de conseils, tant pris, oreilles pas faites pour plus longues, passer tête. M'a passé nous, ministre intérieur là, qui lui-même a partagé l'autre information avec. Merci PM. M'a salué tout le monde de la presse qui l'a eu. Vous savez tous les collègues qui sont tablés ensemble avec nous. De quoi faire le PM m'a dit, malheureusement, c'est une situation pour que nous réunions ensemble. Mais on va présenter nous des saillants. Puisque le PM m'a parlé déjà, le PM m'a présenté le tableau du bord là déjà, sous situation. Comme fait saillant, nous enregistrons jusqu'à présent la 5 morts dans le département sud-est et dans l'ouest. 5 morts. La dernière gonfillette de 10 ans, qui est une chute d'arbre, sortit la calypte tombée sur lui. En localité de Cachimant, au centre-ville, en Sapitre, et une femme tout, d'une cinquantaine d'années, dans ce que c'est communal Marguel,
et bien fils ça il mourit tout par les eaux. Donc on est mounio en général, même les pas avec eux, et tout y a des dili. Donc ils ne pas traverser rivière. Parce que Pierre Racine, il ne peut pas traverser rivière de là-bas. Je vous ai dit ça. L'ambicentenaire à Port-au-Prince, nous venons ni. Nous, on m'a tout appelé, et nous venons à Jurado. Ça veut dire que l'Ouest a frappé. Tempête tropicale Laura, il passe de vigilance orange à vigilance rouge. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous recommandons tout le monde de la caillou. Si vous avez besoin, pas sorti. Et si vous sorti, faut rassurer que vous avez mis là, c'est côté que pas bien de l'eau. Et dans ce genre de là, depuis hier, quand il y a un tombé sur le pays, mon cher, que l'on veut ou non, pas un côté là, qui va y avoir de l'eau là-dedans. Pas un côté pas mouillé. Donc, et c'est un conseil de UHM. Qui est UHM là? C'est prévision fait. C'est l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Quand une inondation d'eau sur sud-est, et une inondation comme ça, on est capable de dire que, particulièrement dans la commune de Jacmel, dans le Bréma, on est contre le Bréma, dans le Maya, dans le Simon Kouakou, dans le Isaac Cardo, tout bloc ça, dans le bloc. La Gosseline, en quelque sorte. Donc, mon sud-est, nous recommandons une fois de plus, rete la caille nous. Parce que encore, pied, pas de racine. Là, nous quand même dit que, parce que Pierre a parlé de ça déjà. La rivière Momance et le gouvernement, la rivière ça en crouille. Là, il n'y a pas de rivière en crouille, ça nous a descendu la force. Et ça nous-mêmes nous dit en créole. Le niveau de département l'ouest là. Et il provoquait inondation. Tout. Par exemple, la commune de Léogane, le Gantier, l'Ambicentenaire, plus particulièrement la route 9, en 42, il y a un gros de 400. Ça, là, c'est pour moi, on va regarder Tabac, PM, Tabac 14, côté de passé, côté de beauté, là, là, avec Chaudière, c'est du bagage fluide, tout bagage ça. Ça veut dire que, on va parler de tout le monde encore une fois de plus, retenez la caille, non, parce que pied, pas de racine. Nous parlons de l'abri provisoire. Particulièrement, mais Jacques Mella a dit qu'il y a deux abris provisoires qui sont invités le même. Mais, protection civile, de concert avec Koudjo, qui activera des abris provisoires dans tout Koudjo. Ça va être le Koudjo. C'est cette opération du geste départemental. Donc, mon mieux qu'on est que c'est ça qu'elle nous demandait. Sur le PM, non, c'est instruction là, nous avons demandé tout délégué départemental. Ça m'a fait ingénieur pour continuer de concert avec la presse pour avoir information à chaque moment et surtout des informations à chaud là où l'action se passe. C'est ça que le PM m'a demandé ça, même se transmettre et ça m'a demandé, c'est pas mon Dieu qui dit, pour avoir des fausses informations, c'est eux comme autorité départementale, les représentants du gouvernement. Qui pour là, avec Dieu, pour regarder ce qui a passé. Donc, nous disons, passez dans la caille et tout, il y a même le devoir pour prendre la route pour regarder ce qui a passé. Et pas ça, bien. On va de. Des dispositions pour un tour, pour nous distribuer masques. Là, à vous, vos visuels. Pour nous distribuer masques. Et nous croyons que DPC, directeur général là, vient de passer l'autre, et bien, institution formelle, pour distribuer des masques. À travers tout à vous, vos visuels. Et maintenant, de même. Si ce n'est pas à travers tout le pays, on va continuer à faire ça, mais comme on fait déjà, distribuer les masques encore. Parce que, on met tout le bagage, les masques là sont moyens pour protéger contre, on sait de saleté de bien, parce que depuis que le cyclone, saleté là devient un grand nombre. Nous parlons tout d'interdiction pour le monde, pas voyager. Et ces manas là, les autres cyclones consacrent pire à qui était. Qui a mis zéro, c'est laisser à faire voyage, et le froid, bah, clandestin pour mener le monde à l'autre côté. Bahamas, Miami. Donc, nous dit clair, débloquer mon monde en bateau, pour transporter le monde, nous mettons la police. Formel, arrêtez ni Mounio, ni capitaine bateau. C'est ça, nous dit. Ça va être clair sur tout le monde. Parce que, nous clair, le monde, quand on doit voyager, je ne veux dire jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que nous dit que ce club n'a allé, il dissipe, il parle en milieu encore.
du tout reste à la balle pour nous voyager. On voit comme situation météorologique. La tempête tropicale là, il est localisé à 65 km du nord-est de Port-au-Prince et de 40 km tout au sud du Cap-Haïtien, cyclone. Donc on a indiqué le confort maximal de 75 km/h et ils font un dépassement très rapide. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer à ça. Pas de chance pour dire que à vie ou pas sortir, sur ma besoin. L'homme que je vais besoin. Hein. Son bagage qui est important pour lui. Important pile, vous qui êtes là. Parce que vie pas, mais c'est le bagage. Si la carrière est inondée, vous avez intérêt à quitter par ta voisinage qui est bon là. Et si la carrière est inondée, vous avez intérêt à sauver. Mais attention, l'eau va aller. Parce que vous allez traverser les rivières, vous traversez les rivières, puis il va y avoir des racines, et de l'eau à l'avant, vous allez tomber. Et nous dit que, comme observation nous fait sur Haïti, nous voyons qu'il y a de fortes pluies qui accompagnent de rafales vent qui n'ont pas observé sur tout le pays. Peut-être seulement grandeur, je vais considérer que c'est une dernière information. Mais pour le sud, la doit tomber sur tout le département sud là, mais jusqu'à présent, pas qu'on ait des gars en sud. Pour grandeur, je vais essayer d'être en contact avec le délégué de départemental là. Même les mêmes informations, le délégué là, il est placé là comme. Autorité gouvernementale, c'est la meilleure information. Merci, collègue. Et ma salut, bienvenue dans cette émission là. Et ma salut, le ministre, et ma salut, la presse qu'il a. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, automatiquement, alerte a été lancée. Premier samedi, nous avons entré en contact avec UHM, qui c'est l'unité hydrométéorologique. Pour qu'on connaît exactement en termes de volume la pluie qui a tombé et pour qu'on prendre des dispositions. Étant donné que le volume la pluie nous est prévu à ce pays, nous avons passé instruction à tout directeur départemental pour tout côté qui a un barrage, système d'irrigation pour protéger. Comment protéger? Tout système d'irrigation ou barrage, il y a des vannes de chasse, ça veut dire qu'il y a des quantités d'eau qui ne peuvent pas tomber, il faut occuper des quantités d'eau à aller. Mais le map dit que les gens qui ont gardé là, ils comprennent la difficulté. Il faut qu'il y ait de l'eau pour les parents de l'eau, il faut la gagner quand il y a de l'eau aller. Parce que le plus souvent, après des gros lacs comme ça, vous avez une grosse sécheresse qui arrive et l'eau besoin de l'eau pour pas venir. C'est ça qu'on a la PM parlé au niveau pélique. Il faut ouvrir Vagno pour les pélique plein pour capter de l'eau aller. Et au niveau canaux qui alimentent le système d'irrigation Valais à Tibonitlan, nous avons deux vannes qui étaient ouvertes. Qui a quitté 60 mètres cubes d'eau passée à la seconde. Pour, parce que quand vous êtes pélite, vous arrivez à canaux la printemps pour ne pas, pour les zones ne pas inonder, mais nous avons tout voulu mettre ça à l'agriculture pour ne pas mal de bêtes tout près de la rivière, pour que vous ne pas mal de bêtes tombent à pied bois, parce que les quantités d'eau vont absorber les bois qui tombent sous les bêtes, pour que vous ne mal de bêtes pour être plus, ni pas avoir une chance de traverser. Mais côté, d'après l'information, information au niveau de l'ouest, là, bassin général, il y a une digue, nous avons travaillé dans la digue là actuellement, mais la mise en eau a été faite déjà, parce que le bassin général a arrosé 4500 carottes dans le plein an. La digue ça est très fragile actuellement, et si la pluie a continué à la digue après aller, mais nous avons dit planter dans le plein de Sagon pour des mesures déjà, aussitôt que nous avons entré au niveau du bassin général, nous avons rétabli de l'eau, nous avons consolidé la digue là. Mais s'il continue à commander nous, dit d'après aller, mais aussi rapidement que possible, n'a refait dit là pour nous cacher d'eau pour arroser terre. Côté, nous avons plus d'informations pour papier et au niveau de Jacques Mel, il y a plus d'avocats véritables pour les bananes, donc à couler et puis il y a plus d'inondations, par exemple, du côté de Marigo, là pour la ville Tifeuille, là pour la rivière Pavé. Il y a un pile de plantation de bananes, M. Ditalakale, un pile de fruits qui coulent. Mais dans toute zone ça, nous avons déjà mobilisé des engins automatiquement si on a passé pour nous faire mise en eau dans tout système côté que si on a endommagé. Merci beaucoup. Et bonjour PM et bonjour collègues ministres, bonjour toute presse, parler écrit télévisé en là. Moi, je crois que PM a dit tout ça. Gomda dit yo seul bagage m'a prédit PM nan dit et ministre collègue agriculture nan dit m'a prédit parce qu'il est très important pour nous c'est pélique pélique jodi là 169.39 mètres au voisinage de 170
si la 173 risque pour barrage crasien très grand. Et si le grand, non seulement moun la Tibonite entravé, et ti courant li ba non 18 MW là, non pas bien tout. Et c'est ça que PPM n'a parlé de li, Moi quoi toute radio qui là qui carrelé moun la Tibonite, di yo attention tout bagay yo gen, mettez en l'air parce que pral gen pile d'eau dans vallée la Tibonite. Et PM nan di yon paquet de bon bagay, m pa kwenn besoin di yo, mais m'a di yo travaux publics depuis à 4 li sou depuis militel, moi même personnellement qui était dans la rue. Et il parlait des juvénats qui étaient bloqués, non débloqués. Il parlait des têtes d'eau, n'a travaillé là-dedans. Pendant que je n'ai pas de temps, mon tir était là, c'est moi qui t'a mené l'opération parce que c'était très très grave, tête d'eau. Et non, Malcolm, sur route nationale numéro 2, qui est très grave, circulation, pas de capable actuellement, n'a travaillé là. Et sur route prélant là, au niveau des corail, actuellement, n'a travaillé. T'as coupé, m'a parlé de lui. Et bon, tabac 51, quand on paquette, et juge et droit en rete un paquet de monde n'a travaillé tout parce que non depuis hier certainement peut-être réponse non peut-être non opération ça a été fait depuis hier ça n'a pas là et il t'a plus bon pour nous mais non PM n'a relé il dit opération grâce au pas crampé en on commencé depuis hier ça a fait noter sous condition D et sous condition militaire bien sûr c'est-à-dire tout le monde qui est clé en main Red domine en base et depuis 4 heures, on travaille et avec moyen on gagne, on a bâillé un minimum de solutions qu'il a besoin. Donc, tout côté, on a travaillé. Si on côté, et pas hésiter, relais donc. Et donc, on a dormi, PM dans la rue, munition dans la rue, et non tout dans la rue. Hein, et c'est travail, on vient de travailler, travail, on travaille. C'est ça, je vous dis à tout le monde, non, merci un peu. Merci, un petit bonjour, bonsoir à toute la presse, un petit bonjour, bonsoir à tout le panel là, qui journée aujourd'hui à Chita avec nous, vu Chita autour de protection civile, pour aider nous et mettre ensemble, pour mettre toutes les ressources nous que nous gagnons à travers l'État, pour nous faire face à la tempête tropicale Laura qui a frappé le pays. Journée aujourd'hui, c'est un bon moment pour au côté que justement le Comité national de gestion des désastres là, lui manifester tête à travers le président du comité avec le premier ministre. Ministère intérieur, ministère de la République, ministère de l'Agriculture, des ministères sectoriels qui à pied d'œuvre pour que justement nous capables de travailler ensemble en tant que système pour nous porter réponse. Ça qui est important pour nous ajouter en plus de tout ça qui dit déjà, le premier bagage c'est que nous avons parlé de cyclone dans lui-même qui lui-même a évolué et l'instade en tempête tropicale, lui rentrer dans le pays à peu près dans la zone et Tibonite. Et la continue en trajectoire qui s'arrête ouest-nord-ouest. Il va ressortir dans la zone Molle-Saint-Nicolas. Et la évolue quand même assez vite parce que la bouge à peu près à 30 km à l'heure, 30-31 km à l'heure. Donc si tout le bagage passe bien et si le kembe trajectoire avec vitesse, d'ici à ce il est supposé fin traverser le pays. Bien sûr, Jean Renouel, il charrie en pile nuage, il charrie vent dans certains côtés et il va en pile la pluie on série de l'autre côté. Et c'est dans ce sens que justement que direction générale de protection civile, ensemble avec tout partenaire lié, je nous entendais là, travaux publics qui à pied d'œuvre, ministère intérieur à travers délégation, mairie et toute collectivité territoriale, ministère agriculture dans différentes déclinaisons, Semana qui est avec nous, UHM, nous tous nous mettons ensemble pour que nous capables justement porter des réponses et adresser différentes situations qu'a présenté. Bilan il présenté déjà, mais pas comme besoin de retourner sous lui. Donc nous avons parlé là d'un bilan quand même qui est partiel parce que événement pas fini. Donc nous avons continué à faire monitoring. Là. Nous à pied d'œuvre, nous en condition, JPM notre détail là, et nous avons continué à gérer la situation. Ce qui est important pour nous ajouter, c'est consigne qui est extrêmement important que m'a rappelé à toute population au fond encore. Premier bagage, c'est certainement rester à l'écoute et rester vigilant par rapport à consigne. Là, pendant que nous vivons. Passage tropical Laura, n'a passé par des moments. Il y a des moments côté que gros la pluie, gros vent, mais il y a des moments côté que bah en calme. Ça va veut dire que le fini. Donc nous allons obliger tant que autorité concernée sorti avis météo pour dire que ça va être la fini pour nous capable reprendre activité nous. Et deuxième bagage bien entendu, il faut nous continuer à être prudent, pas jambé de l'eau qui descend et je nous dit de l'eau qui descend, c'est pas seulement rivière, même lorsque nous dans la rue nous gros de l'eau. Nous pas carré en bas de l'eau, pas fourré pied nous la donne parce que les capables boter nous déplorer quelques incidents là déjà et quelques fatalités, c'est des monde qui a justement et gain là derrière, c'est des monde qui a essayé de traverser de l'eau.
bien entendu, continuer à mettre tout effet nous avec tout matériel que nous avons qui est important à l'abri. Papier terre, papier important, mettez un sachet plastique pour façon pour ne pas mouiller. Kembe ti kit d'urgence nous, kit d'urgence là li capable gen manger, li capable gen médicaments pour moun ki besoin, li capable gen manger en plus pour moun ki gen ti bébé. On façon pour si nous obligé rester pendant une ou deux jours la caille pour nous pas gen trop problème pour nous ka passer justement mauvais moment qui gen là. Encore une fois m'a rappelé pour nous couper pied bois, branche bois qui baille sous dokayo parce que vent capable justement frapper sous dokayo là, faire pied bois frapper sous dokayo là et causer de dégâts. Nous déplorer justement fatalité malheureusement dans zone en sapit. C'est la condition d'arriver, son pied bois qui tombe sur son caille et nous avons une victime qui fait à cause de ça. Bien entendu, nous avons aussi rappelé à tout le monde pour que les gens qui fait un tol, pour fixer le tol là, en façon pour vent, pas lever, pour te l'aller et faire le tourner en danger. Navigation toujours été interdite sur tout l'étendue du territoire. C'est maintenant renouvelé et notice interdiction, cabotage et navigation de manière générale. Vol locaux jusqu'à présent, ils ont interdit tout parce que là, nous en plein dans ce cyclone là. Et dernier conseil que m'a bail qui est extrêmement important et son rappel lié, c'est rester en contact, rester écouter radio, écouter télévision, écouter radio communautaire, suivre réseaux sociaux en façon pour nous capable tendre toute consigne à tout conseil que toute autorité qui là, je vous dis à qui réunit ensemble pour faire face à la tempête tropicale Laura et pour accompagner la population que nous pas manquer passer et bail la population en façon pour tout le monde capable continuer protéger tête pendant que nous-mêmes autorité on a continuer travail pour nous bailler nos réponses. Le dernier point que m'a fait, c'est aussi le fait que, pour me rassurer la population, dans le sens que, abri provisoire, il est là, il est disponible, et mairie, qui autorité locale, qui est en charge de gestion abri, a assigné Mounio, a ouvri abri, l'abri ouvri, et a assigné Mounio à abri. Donc ça, de ce point de vue-là, pas de problème. Qu'est-ce qu'on contacte avec Brigade Protection Civile ou avec mairie qui est proche là, en façon pour, si vous obligez d'évacuer, vous capable de jouer côté pour aller, et vous capable de mettre tête en sécurité. Et bien sûr, je nous dis d'aller là, yon dit l'autre, yon voyage sous l'autre, c'est mettre gok veye kon, n'a continué à être prudent et n'a continué à suivre l'évolution de la tempête tropicale Laura pour nous continuer à nous plus d'informations, pour nous connaître ce qui s'est passé et en façon pour nous tous nous sortir sans problème de mauvais moments qui a passé là. Donc, je dis tout le monde merci pour attention et n'a bien pour nous reparler encore. Okay. Merci. N'a pas salué la presse parlée, écrite télévisée qui prise un matin. Tout d'abord, n'a dit que. Depuis, nous connaissons déjà, d'ailleurs, semaine dernière, nous avons un naufrage qui fait dans la zone îlée de la Tortue, et au Figuier, entre au Figuier et Saint-Louis du Nord. Côté, il y a 16 personnes qui sont mortes dans le naufrage. Ça. Sous instruction du Premier ministre, président pays avec la première dame, nous sommes allés hier et dans la zone ZA. Côté que nous t'allons assister famille, nous t'allons visiter famille, côté que chaque famille qui t'est, qui est mon mourir, t'est recevoir 50,000 gourdes, et famille qui est mon qui t'est survivant dans le bateau, il y a plus de 26, il y a recevoir ou enveloppe de 10,000 gourdes. Mais tout d'abord, nous t'es parlé avec la population, en tout, côté que nous t'est demandé, et pour y'a prendre toutes mesures nécessaires, tout, pour y'a même, y'a protéger propre tête pas y'a tout, parce que nous connaissons plus de 200 de gilets de sauvetage dans le port, côté où t'es quitté là, eh bien, y'a pas de blé mettre gilet sauvetage là, parce que y'a dit gilet sauvetage là fait chaud, et gilet sauvetage là y'a qu'on nager, etc. des bails comme ça. Mais dans l'emmène, nous pas capable de prendre toutes, décision ça y'a. C'est gilet de sauvetage là seulement qui a protégé ou qui a aidé ou passer un passe là, lors barré à gros vent, à gros vague. Eh bien, nous conseillons, nous parlons avec différentes autorités dans le département, et nous te disons tout d'abord, depuis vendredi dernier, mais ensemble avec, et direction protection civile, côté des grands alertes, et sous pays, alerte orange, pour que aucun bateau ne prenne la mer. Mais malgré ça, il y a des bateaux qui a trompé vigilance autorité, et puis ils prennent la mer. Il y a trois capitaines bateaux dans le nord-ouest, matin, qui prennent la mer, qui traversent sur la île de la Tortue pour entrer à Mont-Saint-Nicolas. Côté la police qui est allée dans le port pour arrêter, mais ils ont pris le large, mais ils ont demandé à la justice des trois capitaines bateaux ça. Et il y a un capitaine bateau dans la zone et sud pays qui déjà dans mes grandes côtes dans la police, eh bien, il va transférer lui devant la justice dans la semaine qui vient. On a dit que c'est tolérance zéro dans le secteur maritime. Non, nous ne pas accepter que les autorités de l'État aient passé aux instructions, dit qu'il y a interdiction pour bateau pas prendre la mer. Eh bien, pour capitaine bateau et marin pêcheur belligérant, voulez mettre en déroute décision de l'État. Eh bien, encore une fois, nous remercions la police
qui voulait accompagner nous, qui a supporté nous notre travail. Ça, nous connaissons maintenant, c'est l'aspect technique et c'est la police qui s'est bras armé, spécialement garde côte, mais malheureusement qui va tout côté dans le pays, qui pour aider ces madames à faire job ça. Encore une fois, nous dit, va suivre et avec un peu d'attention, tout représentant ces madames, yo debout, de pied ferme, pour être capable d'appliquer toutes mesures que Direction Protection Civile, Premier ministre, gouvernement, dans l'ensemble, a appliqué dans la question 1 avec UHM, dans toute prévision qu'a baillé. Et au moment opportun, là, on prend décision pour que nous levions interdiction, on a levé l'île, nous dit, on va suivre tout événement, et au moment opportun, on a baillé information sous la mer. On a demandé pour tout capitaine, tout marin, tout pêcheur, pas voyager, encore une fois, l'État interdit tout cabotage dans tout pays, dans toute zone côte pays d'Haïti. Encore une fois, merci. Et la plus prochaine occasion, on a bien pour nous retourner pour une baille plus de précision sur le développement et tempête Laura qui a traversé le pays d'Haïti. Merci. Merci, DG. Concernant la question abri provisoire, je vais répondre rapidement et pour nous dire que il y a un abri provisoire qui est dans tous différents départements et dans toutes communes dans le pays. En total, nous répertorions, nous avons à peu près 800 abris provisoires dans tout le pays. Mais bien sûr, tout abri provisoire n'est pas activé en même temps, premièrement. Deuxièmement, qui côté y est, listing ça, et alors, inventaire ça, nous fait li, nous gagnons la l'interne, et justement, mairie yo qui gagne autorité pour faire gestion abri provisoire, donc qui connaît, qui l'a ouvri abri, qui abri que ouvri, et comment yo fait moun yo al nan abri yo. Donc c'est mairie yo qui gagne information ça. Donc nous recommandons, encore ma politique encore, nous recommandons tout le monde, si vous pensez que vous avez menacé ou bien vous avez pour évacuer, à ce moment-là, déjà, pour être déjà faire proximité avec mairie. Et de toutes les façons, brigadier volontaire protection civile, le comité communaux protection civile, a pas accompagné pour venir faire évacuer et mener un abri que vous avez pour y aller. Donc, pas de trop de soucis pour faire dans ce sens. Et je dis, CCPC, le comité communaux protection civile, a intervenu au moment opportun et avec support mérien, a orienté Mounio vers l'abri qui vient pour y aller. Mais la quantité Mounio, abri n'est pas tout standard, c'est pas tout qui vient même capacité, c'est pas tout qui vient même grosseur. Il y a un bagage qui, quand même, qui est extrêmement important pour nous retenir en ça, c'est qu'à cause de Covid, là, nous sommes obligés de prendre en compte le fait que l'espace-là, il est obligé de limiter. Si on habite 100 personnes, on est allé qu'après 50 personnes, ou bien 60 personnes. Donc là, nous sommes obligés, justement, de faire très attention et parcimonieux. Donc, il faut nous être très prudents dans le genre que, justement, on a pour abri, fermer abri, et faire nous entrer dans abri, en façon pour abri à pas tourner, en source, ou bien en danger, pour nous que nous mettons là-dedans. Dernier point, c'est que, justement, le ministre a fait accent sur lui de manière importante. Nous faisons un travail de profondeur avec le ministère de la Santé publique, qui est un ministère que nous travaillons très près avec, pour que nous organisions nous pour abri à pas tourner en sous Covid. Donc, dans l'abri, nous avons masque, nous avons des points d'eau pour lavage. Donc, nous organisons nous pour abri capable opérationnel. Et pour, quand même, pendant que l'opérationnel, là, nous prenons en compte le risque coronavirus là, qui existait encore, parce que le coronavirus n'a pas fini. Donc, on fait ça pour nous ne pas exposer la tête dans le fait que nous sommes obligés de mettre en abri. Rapidement, je vais répondre pour la prévision météorologique là, parce que le collègue de directeur UHM n'a malheureusement pas de rejoindre nous l'après-midi, excusez-le. Mais ça m'a dit nous, c'est que vu direction avec vitesse Laura, normalement, Laura a voyagé à peu près à 30 km à l'heure. Donc si l'Ikembe vitesse ça, encore c'est des prévisions, si l'Ikembe vitesse ça, à Souéa, dans une nuit, il est supposé fin traverser le pays d'Haïti. Mais encore, je vais dire sous condition. Parce que Pablier n'a parlé de prévision météorologique et prévision météorologique a changé à n'importe quel moment. Je veux dire, on a parlé d'un cyclone qui normalement était supposé passer et atteindre le nord, mais finalement, nous réalisons que nous avons un gros impact sur le sud-est avec les départements de l'ouest. Donc encore, c'est des bagailles qui varient et qui dépendent justement de ces facteurs que nous-mêmes nous ne pouvons pas contrôler. Donc, et pour répondre encore à la question, oui, nous sommes supposés capables de sortir dans la situation ça d'ici à soir, mais on nous était véatifs, on nous tend mot d'ordre UHM qui a banni le fin mot sous lit. Et en nous tenant surtout, lorsque Yachem Bral dit nous que l'i fini, l'i aller, pas de problème nous mettre sorti. Concernant la question, ça pour nous faire pour éviter à Tiboni de l'onde, tout ouvrage hydraulique, il y a des protections sur lui. Et ça fait, vous mettez des vannes de chasse, il y a trop de l'eau, au lieu que l'ouvrage écrasé pour libérer le doigt. Mais, vous connaissez, il y a Péli qui vient, notre barrage qui vibre et les canaux. Péli ouvre pour qu'il y ait un de l'eau passé, vous croyez, la petite 100 mètres cubes de partir à la seconde. Mais tant pour vivre les canaux, il y a des affluents qui habitent toujours sous la rivière. C'est ça que les canaux ont pris de 60 mètres cubes passés. Mais entre deux mâles, il faut qu'il y ait une. Nous, comme journalistes, nous avons écouté les barrages côté. Même si les barrages jouent, ils écoutent les paquets de com. Qui donc, au lieu que les barrages accrasés,
préfère occuper un quartier de l'eau passé, mais je les gars. Et ça fait, pour les gens qui vivent dans la zone, pour les agriculteurs, pour tout le monde aider à gérer ça. Parce que l'inondation, elle a passé, elle a pas un lame de l'eau qui a passé sur une hauteur. Il y a fait des galanges avec le carré, mais pour refaire un barrage, c'est un pélic, je ne veux pas dire que canot, il a coûté en pile l'argent. C'est ça qui fait, c'est plutôt toute population qui a joué barrage là, qui a vu les alentours de barrage là, aider à gérer sa carrière d'inondation. Nous avons diminué l'effet d'inondation, mais nous n'avons pas éliminé l'inondation. C'est ça qui fait, tu as allé à l'introduction, tu as expliqué. J'ai dit que l'autre difficulté, c'est que les gens ont pris de l'eau et tout de suite après la pluie, ils ont pris de l'eau. Si vous quittez toute l'eau, vous n'avez pas besoin de l'eau, vous n'avez pas besoin de faire des choses. Et si vous quittez tout de l'eau, vous avez crasé l'ouvrage là. Parce que tout ouvrage, il y a une résistance bien précise. Et si la résistance a vaincu, vous imaginez au pays du crasé, qu'il y a ces catastrophes, qu'il y a plus de 5 mètres de l'eau passée. Mais si toute l'eau n'a pas été retenue encore, vous comprenez qu'il y a la paix. Donc, encore une fois, en termes d'inondation, c'est mon pour prendre prudence, c'est mon pour aider à gérer ça, pour ne pas même sentir effet. Parce que pas inondation dangereux, c'est effet inondation. On n'a pas géré effet inondation avec mon au lieu que nous, nous pas dire nous pas prêter inondation arriver. Ça veut ça fait 5 mètres cubes d'eau additionnel et nous avons deux affluents d'une de sous canoë, nous pouvons faire un cheval qui va ouvrir encore. Et tant 100 mètres cubes d'eau à prendre pour lever le canot, 2 heures et demi comme ça la prend. Ce n'est pas même quand on arrive là et puis l'eau pour arriver, il y en a deux. Tant que l'eau descend, tant que l'eau descend, l'a perdu, l'a gagné en densité, c'est vrai, mais le cas perdu force dans le cas où conditions météorologiques. Si l'eau n'a pas continué à alimenter, l'eau a pris à moins source, mais s'il continue à continuer à venir, plus doit passer. C'est ça que je dis, encore une fois, c'est mon zone, mon habitant pour aider à gérer, car nous choisissons entre deux mal. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.